Good morning, Aleiden. Les tutos aujourd'hui, le Lunishmat Amram Yona Ben Chana, Vegi Bat Esther, Nissim Ben Aouda, Michael Novikov et Sol Vanish, et aussi l'Irfouat Ruth Bat Kolodin Traina, Simcha Bat Masoudi, Efrat Ma'ayan Bat Léa Bet Orcha pour l'Israël. Si vous êtes dédié à la prochaine étude de Mishnah, contactez la 5 minutes éternelle. Nous étudions la sécrète de Yot, Peri Dalet, Mishnah Dalet. Ha'omer Shehu Samouch la Gafa, Vela Gadish, Vela Bakar, Vela Kelim, Ushchacho. Bet Shamay Omrim Eino Shichecha ou Bet Hillel Omrim Shichecha. On continue à parler dans cette Mishnah de la Mitzvah de Shichecha qu'on avait évoquée hier, dans la Mishnah précédente. Lorsque l'on fait des gerbes de blé, une fois que j'ai fini de moissonner le blé, je les relie ensuite en gerbes et je les ramasse et je pars. Si j'oublie une ou deux, je les prends, je ramasse tout et je m'en vais. Puis après, je me retourne et je vois que j'en ai oublié une ou deux, j'ai plus le droit de revenir les chercher. Je dois les laisser en cadeau pour les pauvres. S'il y en avait trois, c'était trop conséquent. Alors là, tu as l'intention de revenir. On avait expliqué que le principe qui génère sa halakhot, le principe grossier, sans entrer dans tous les détails pour expliquer comment chaque détail de sa halakhot va rejoindre ce principe, mais en tout cas, l'idée générale, elle est que lorsque tu quittes, c'est quelque chose de pas important, donc tu quittes, tu t'en sépares. T'es prêt à t'en séparer. Dès que t'es prêt à t'en séparer, alors la Torah vient te dire, laisse-le complètement pour les pauvres. Tandis que si c'est quelque chose de conséquent, de trop important, alors c'est vrai que t'es parti, que t'as pas fait attention, mais en réalité, dès que tu vas arriver chez toi, tu vas dire « j'ai laissé quelque chose d'important en arrière, donc je vais revenir le chercher ». De ce fait, il n'y a pas eu de shichra. D'accord ? Bien sûr, Khamim nous ont délimité ça bien de manière très définie, une et deux, on a vu dans la mission précédente, selon la taille de la gerbe aussi, est-ce que ça a influencé ou pas. D'après tous les avis, ça influence, à partir de quel volume je considère que c'est assez important. Ça, c'était le sujet de la mission précédente. Maintenant, dans notre Mishnah, on va découvrir une gerbe qui a la même taille que les autres, mais qui se trouve dans un endroit très particulier, singulier, où je vais pouvoir y penser facilement. Il y aura deux manières d'expliquer, on va le faire tout de suite, Bezant Hachem, avec le Bartanora. D'abord, on traduit. Ha Omer Shehu Samouch la Gafa. S'il y a une gerbe, Omer, c'est une gerbe, qui se trouve Samouch la Gafa, près d'une Gafa. Gafa, c'est une sorte de barrière de séparation, un petit muret de séparation qui avait fait avec des pierres empilées, peu importe. Et donc, un homère qu'on a laissé qui se trouve à une place bien spécifique, près d'un gaffa, près du petit muret, ou bien velagadish, près là-bas du tas de blé que j'ai empilé là-bas, velabakar, ou encore il y avait mes animaux qui se trouvent dans un endroit bien précis du champ, qui sont attachés, mon chien qui est attaché, ou bien même ma vache qui est attachée. Et là-bas, j'ai laissé un homère particulier. Vela Kelim, encore là où je pose mes ustensiles, là-bas, j'ai laissé un petit homère, Ushracho, et après, il l'a oublié. On va expliquer plus précisément de quoi on parle. Bet Shamay Omrim, Eno Shichecha. Bet Shamay va nous dire, c'est pas considéré comme une Shichecha. Ou Bet Hillel Omrim, il n'y a pas ici de statut de Shichecha. C'est-à-dire, si ensuite, tu as ramassé tout tes homarim, tu as commencé à partir. Et puis après tu t'es souvenu, tu dis « Oh là là, j'ai oublié un homère qui se trouvait, j'ai oublié une gerbe qui se trouvait exactement là-bas, à côté là-bas du tas de blé, ou à côté de peu importe. » Et bien Bachamay va dire « C'est pas une shichra, tu peux revenir le chercher cette fois-ci. » Tandis que Bethilel Omrim, shichra, Bethilel considère que c'est oui, il y a en cela un statut de shichra, tu n'auras plus le droit de revenir le chercher. De quoi parle-t-on précisément ? Deux explications dans le Bartanora, noir, on va d'abord faire le deuxième. Si déjà on n'a qu'à le faire dans les mots directement, je préfère... Ouais, si on fait dans les mots, il faut tout le faire, donc il faut le faire dans l'ordre. Alors on va les faire dans l'ordre, allez. La Gafa d'abord, il nous explique c'est quoi le Bartanora. Noir. Gader avanim zdurot zo alzo belotit. Ce sont un muret de pierres qui sont empilées une sur l'autre, où il n'y a pas de ciment entre les deux. Vela kelim, qui se trouve à propos des ustensiles, la machrecha, là où j'ai l'habitude de laisser ma moissonneuse, je ne sais plus comment ça se dit, la machrecha, là. Avec laquelle on laboure. La moisson, non pas la moisson, peu importe, d'accord. Bet Shamay Omrim Eino Shichecha. Quand je suis devant la caméra et que je rentre en panique, alors il n'y a aucune chance que je me souvienne des mots. D'accord. Bet Shamay Omrim Eino Shichecha. Bet Shamay nous enseigne, il n'y a pas de Shichecha. Je vous ai dit deux explications sur cet avis de Bet Shamay. On fait le premier. Plug Tayu de Bet Shamay ou Bet Hillel. Première explication, que la discussion entre Bet Shamay et Bet Hillel, on parle d'un Be'omer Shechezik Bo Le'olichol Air. On parle que un Omer, une gerbe que j'ai été marzik, je l'ai prise dans mes mains à date de l'amener dans la ville. Et puis après, je me dis, attends, je crois que je vais aller aux toilettes. Je l'ai reposée quelque part.
ou Netano Betsad Agafa. Et lorsque il a posé ensuite à côté de ce muret, au Betsad Agadish, à côté du tas de blé. Et après, il a sorti des toilettes, il a été perturbé par autre chose, et il est parti. Ushracho Sham, il l'a oublié, il l'a laissé là-bas. Donc là, d'après ce premier avis, on parle d'un Omer qu'il a déjà acquis. Il a déjà pris dans les mains. Il n'a pas besoin d'acquérir, ça lui appartient. Mais malgré tout, il a pris dans les mains avec l'intention de partir avec. Chez Bet Shammai Omrim, Enoshecha. Bet Shammai veut dire que ça, c'est fini. Dès que tu as voulu le prendre, c'est plus considéré comme à l'état brut dans le champ initial. Ça y est, c'est déjà entré en fabrication. Bien sûr, il n'y a plus de din de shichra une fois que tu as engrangé ton blé, par exemple. Si tu as tout engrangé chez toi, et puis après tu le ramasses tous et t'en oublies, hein, il n'y a plus de din de shichra. Shichra, c'est quand tu es dans le champ. Or là, tu l'as pris à la date avec intention de partir, c'est fini. C'est plus à l'état brut du champ. Share zachabo, puisqu'il l'a déjà acquis. C'est-à-dire quoi, il a acquis, ça lui appartenait. Il a acquis, ça veut dire qu'il a déjà fait entrer dans sa propriété pour l'utiliser, pour le prendre. Bethilal Omrim Shichra. Bethilal nous dire non, il y a encore, puisque tu es encore dans le champ, c'est encore considéré comme une Shichra. Tel est le premier pirouche. Deuxième explication, je vous annonce la couleur tout de suite. On parle du cas où il n'a pas pris dans les mains. Parce que s'il a pris dans les mains, avec intention de partir, c'est fini. Ça lui appartient à Behemet, d'après tous les avis, même d'après Bethilal. Mais en fait, on parle là ici qu'il ne l'a pas soulevé avec intention de partir. Mais que tout simplement, pendant qu'il était en train de faire ses omarim, pendant qu'il faisait ses gerbes, il les a posés. Et puis il y en a eu un qui a une forme originale, il l'a posé comme ça de côté, il ne sait pas pourquoi. Et ensuite, il est parti. Regardez, on fait ça dans les mots. Pirush acher, autre explication. Bet Shammai omrim, Bet Shammai dis, Eno shichecha, ce n'est pas considéré comme une shichecha. Afilo be omer shelo echezik boklal, même si on parle d'une gerbe qu'il n'a pas du tout saisie dans les mains avec intention de partir. Malgré tout, ce n'est pas considéré comme une shichecha, comme un oubli qu'il a plus le droit de revenir, le reprendre. Pourquoi ? Tout simplement, parce que tout le principe de shichecha, regardez la corrélation directe avec les ilchot yehush, tout le principe de shichecha, il est parce que c'est sorti complètement de ta tête. Or, si tu l'as posé dans un endroit bien défini, alors, même lorsque tu es parti, au bout de 2 heures, tu vas te souvenir que tu avais laissé une gerbe à côté de ta chaussure, à côté de ta vache, à côté de ton tas de blé, à côté du muret. Donc, puisque tu l'as mis dans un endroit mesouyam atid el zohro, puisque tu l'as mis dans un endroit d'avoir mesouyam à côté de quelque chose de bien défini, atid el zohro, c'est sûr que finalement, au final, il va s'en souvenir. Bethilel, il ne rentre pas dans ses conseils. Il va dire non, c'est un oubli. Kozman shel mirzikbo, on a des règles bien définies. Par contre, Beth Hillel reconnaissent, là dans ce cas-là, de cette deuxième explication, que si toutefois il a déjà pris avec intention de partir, et finalement il a reposé, et puis après il a oublié, alors là, ce sera plus considéré comme une shichra, parce que, comme ce qu'on avait expliqué, ce n'est plus une gerbe qui est dans le champ à l'état brut, mais c'est quelque chose que tu as déjà fait entrer dans la circulation dans ta vie, quoi. De ce fait, il n'y a plus de din de shichra dessus, et c'est tout pour aujourd'hui, c'est une plein de slachakol, tout ça.